Selon des sources bien introduites au sein du régime de Brazzaville, l'homme politique, destin gavé et opposant au régime du dictateur Denis Sassou Nguesso a été transféré nuitamment à la prison centrale de Brazzaville. Certains pensent qu'il ira faire sa prison dans la ville d'Oyo pour une durée non déterminée. Nous tenons à insister du fait que Destin Gavé a été kidnappé puis transféré dans la capitale congolaise dans un état inconscient. Des témoins sérieux affirment qu'il a été empoisonné. Ses proches parents ont indiqué que leur fils a été exclusivement nourri par les services de renseignement du dictateur Denis Sassou Nguesso. Un scénario à la maître Hervé Malonga et à Augustin Kalakala n'est pas à écarter. Il aurait été tabassé, torturé. Destin Gavé est méconnaissable. Ce nouvel épisode dans l'affaire du kidnapping de Destin Gavé est une piqûre de rappel à tous les opposants congolais, mais surtout une affirmation d'un pouvoir tyrannique en décadence. Nous suivons cette affaire de près. Nous vous tiendrons informés.